Bienvenue dans cette nouvelle visite. Donc aujourd'hui, nous sommes à Cuneo, donc c'est en Italie, à la frontière de la France, et on n'est pas bien loin de la France. Très proche à vous. Tu m'as dit 30 km? 30 km, oui. Ok. Donc là, nous sommes chez Viano avec Pierrot. Et bien en fait, c'est vrai que dans plusieurs vidéos, j'ai déjà parlé de chez Piano ou même sur les réseaux sociaux. Mais du coup, j'en profite de ma venue. Mais merci pour nous Merci à toi. accueillir, ouais, avec grand plaisir. C'est vrai que du coup, on s'est eu beaucoup au téléphone, et Oui, là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà. c'est vrai. Et bien, du coup, si tu peux nous présenter, nous raconter l'histoire. Oui, le magasin est plutôt ancien parce qu'il est ici, nous sommes dans la place principale de Cuneo Ok. de 1900. Donc, mon grand-grand-père qui avait fait le magasin. Au début, il était un magasin où il faisait le remoulage Ok. des couteaux et des ciseaux. Et après, maintenant, pour les gens, c'est un peu surprenant parce que d'un côté, nous avons les couteaux Oui. et de l'autre côté, les parfums. Ouais. Mais les liens et le rasoir, Ah oui, tout parce à fait, oui. que le blaireau, le salon à barbe, l'après-rasage, donc maintenant, il est devenu comme ça. Et le rasage traditionnel en Italie a un grand retour. Dans les dernières, je dirais, 5 années. Ok. Donc, notre vente de produits de rasage est beaucoup plus haute dans les dernières années. Ok. Rasoir de sécurité, savon, barbe, blaireau et tout ça, dans les magasins physiques, mais aussi dans Ok. le site Mais internet. je pense que c'est quand même plus connu en Italie qu'en France. Hein. Et France ou peut-être francophone, le rasage traditionnel. Oui, en J'ai Italie, l'impression. oui, il y a eu un gros développement. Il y a maintenant beaucoup de petits artisans, d'entreprises qui Oui, font c'est les vrai. produits. Et les Italiens, ils sont très, très intéressés. Donc, il y a, je crois, milliards d'Italiens qui sont passés du rasoir Gillette, au rasoir de sécurité pour des questions aussi économiques, Oui. d'efficacité, des respects de l'environnement. Et la chose la plus belle pour moi est que la majorité sont des jeunes ici. Ok. Donc j'ai beaucoup de jeunes qui arrivent ici, ils veulent apprendre à se raser avec le coupe-chou. Des jeunes comme nous. Et des jeunes comme nous, mais encore plus jeunes. Oui, j'ai compris. Mais ça c'est bien. Oui. Et donc pour moi, expliquer le peu que je Oui. sais, c'est très agréable. C'est la transmission. Oui, la Ah, transmission. D'un peu de savoir, parce que je ne pense pas de savoir beaucoup, mais bon, je m'intéresse aux produits parce que j'aime beaucoup rechercher des produits à oui. l'étranger, en Italie, les essayer, donc pour moi c'est toujours un grand plaisir. Ah, tout à fait, oui. Et pour le reste, nous vendons aussi couteaux, ciseaux et tout ça, et nous avons aussi des parfums, mais nous avons choisi des parfums plus de niche. Ok. Un peu plus difficile à trouver, un peu plus naturel dans la composition. Et voilà. Et puis nous avons des marques de rasage un peu de tout italiennes, étrangères. Ah, Il y tout à a fait, oui. un peu tous les prix. Donc ils peuvent se raser vraiment avec très peu d'argent aussi. Parce que l'autre chose, c'est le rasage classique, c'est très économique. Il vous faut un blaireau de 5 euros, un bon savon de 2 euros. Et vous êtes prêts. Ouais, c'est vrai qu'il y a de tout, il y a pour tout le monde, il y a pour tous les goûts. Ouais, c'est vrai, c'est ça ce qui est aussi intéressant. Ouais. Pour toutes les poches, Oui. donc on peut essayer, on peut améliorer. Et en fait, j'ai des clients qui sont des vrais passionnés, qui Oui, ont aussi. centaines de savons. Ils ont des écuries de rasoirs. C'est un peu mon cas, oui. Je sais, je sais. Et en plus, nous avons un lien spécial avec la France parce que nous sommes très proches. Et bon, dans l'été, nous recevons beaucoup de Français. Aussi parce que
la majorité des familles d'ici ont des personnes qui sont allées en France. Eh oui, c'est vrai que historiquement, le Piémont, c'est quand même un côté français. Si. Mais c'est vrai qu'on ne va pas faire l'histoire, mais il y a eu du temps du Royaume de France, si. Où le Piémont, c'était oui. une partie française. Eh oui, ouais, bien c'est sûr. Ça, oui. Le français était la langue, oui. et notre dialecte, le piémontaise, a beaucoup de mots qui viennent du français. Donc il y a des gens d'ici qui vont en France et ils parlent piémontaise. Okay. C'est mieux que parler italien. Ouais, comme le patois. Comme c'est le patois. Ça, ouais. Dans les magasins, nous avons partie homme et partie femme. Donc okay. Je vous présente ma cousine. Je m'appelle Sara. Elle est plus pour les femmes, mais aussi les hommes sont contents d'acheter. Donc, elle sait les conseiller aussi. Mais c'est ça, oui. Pas facile. Mais bon. J'ai une grande expérience de vente. De vente. Ok. Et donc, même s'il n'est pas surtout, facile. Surtout dans la parfumerie. D'accord. Mm. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais aussi. Et dans le maquillage. Maintenant, là aussi, l'expérience dans le rasage classique qui est devenu de plus en plus important pour nous au niveau de vente. Ah, tout à fait, oui. Mm. Et dans le magasin physique, mais aussi dans le virtuel, okay. le site d'e-commerce. Qui existe maintenant il y a 6 ans et il travaille en Italie mais aussi à l'étranger. Okay. Oui, c'est ça que oui, on peut aussi te retrouver sur internet. Oui, et avec disons beaucoup de produits et nous livrons aussi à l'étranger. Et nous okay. avons un lien particulier avec la France. Okay. C'est parce que nous avons beaucoup de clients français, donc nous avons fait des frais de port réduits okay. pour la France selon la chiffre d'achat. Plus vous achetez, moins vous allez payer de frais de port. Mm. À un certain point, vous n'allez plus payer le frais de port. Okay. Et je crois que c'est intéressant parce ah, tout que à fait, le oui. choix mm. Et aussi il y a des produits qui en France ne sont pas faciles à trouver, des produits italiens plus de niveau que nous avons artisanal qui sont faits vraiment à la main. Et donc en France, c'est pas facile de les trouver. Parce qu'en fait, tous les produits qu'il y a sur la boutique, on mm-hmm. les retrouve sur internet. Et presque. Okay. Disons tous les produits de rasage. De rasage, oui. Oui. Et dans l'autre côté, moins. C'est moins intéressant pour nous et il serait très compliqué. Parce que nous vendons, par exemple, les ciseaux à ongles. Oui. Nous avons centaines de types de ciseaux à ongles. C'est beaucoup. Et penser de les mettre sur un site, c'est très compliqué. Okay. Aussi pour gérer l'entrepôt, ah oui, c'est oui. très difficile. Ah oui. Et en plus, le site est plus encadré sur les rasoirs. Okay. Les rasages classiques oui, que le reste. Donc, c'est disons 90% des ventes sont liées au rasage. Et il faut dire aussi une spécificité de chez Viano par rapport à son Fongxing. Yeah, oui. C'est que c'est la boutique officielle. C'est la boutique officielle parce que nous avons cette très belle collaboration avec Paola, Michele et les gens de Chung Fongxing. Nous nous sommes choisis un peu parce que nous sommes deux entreprises historiques dans lesquelles okay. Disons, les grands-pères ont commencé, puis les fils et les neveux ont continué l'activité. Et donc, nous travaillons avec eux. Donc, nous avons tous les produits qu'ils font dans notre magasin, mais aussi dans les sites internet. Mm-hmm. Et nous avons fait avec eux aussi des projets. Donc, nous avons fait un autre savon du magasin. Oui. J'avais déjà fait la vidéo. Et nous sommes été très, très heureux de collaborer avec Rasage Classique ah pour oui. faire l'édition limitée. Le rasage traditionnel, oui. Rasage traditionnel, ouais. L'édition limitée. C'était ça que j'avais fait. Je vous mettrai la vidéo. J'avais fait une vidéo là-dessus. Si. Là, c'est un savon un peu particulier qui sent le parfum du gâteau typique d'ici. Le cunese. Le cunese qui est un cunese à rhum. Si. Gâteau au chocolat avec le rhum. Okay. Le rhum.
Et oui, ça c'est l'édition du forum rasage traditionnel, voilà, qu'on avait fait avec Tsong Fung Sing et qui est vendu c'est chez nous. Sur, sur le site. Et en fait, pour expliquer aussi, Turin, c'est pas loin de Cuneo, en fait. Oui, c'est pas loin, et si, et même si pour nous, c'est déjà un autre monde, oui. Parce qu'ici, c'est une petite ville, 50 000 habitants, Turin, c'est déjà pour nous. En fait, on peut dire que, grosso modo, Turin, c'est la capitale du Piémont. Si, voilà. Oui, c'est vrai. Oui. La capitale du Piémont. La capitale du Piémont, et oui. Il y avait les grandes usines maintenant. 80 km de Cuneo. Et un peu plus, 90. Okay. Ah. Oui, oui. Et, mais nous avons aussi beaucoup de clients qui viennent ici, de Turin. Okay. Parce qu'ici, pour eux, c'est plus facile, parce que c'est plus concentré. Nous avons des longues arcades, donc s'il pleut, ils peuvent faire du shopping sans souci. Et donc, nous avons un bon rapport avec Turin, beaucoup de gens de Turin qui viennent ici. Une petite dimension. Oui, oui, oui. Et puis, nous avons le plaisir de travailler avec Tsong Fung Sing, qui sont des gens exceptionnels qui travaillent très bien, font des produits pour moi de très haut niveau à des prix très corrects. C'est vrai que c'est une belle. C'est un beau partenariat. Si, si. Qui pour nous a été une belle découverte. Ah oui. Par hasard, hein. Comme oui. Toutes les choses belles, elles arrivent des fois par hasard. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai acheté la crème à rasoir, la rouge, qu'on trouve ici dans quelques supermarchés à la main. Et je l'ai payé très peu. Et je l'ai trouvé tellement bonne que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé et j'ai dit mais votre crème à raser est fantastique. Alors de là nous sommes partis et puis cette coopération est née. Ah, tout à fait, ouais. C'est une belle histoire. Ok. Ok. C'est tout bon pour nous? Oui. Parce que, de toute façon on a tout bien expliqué l'histoire, le lien avec son fonction. Si. Que tu es aussi présent sur internet, si. C'est aussi une bonne chose à savoir. Et non, mais pour moi, c'est vrai que je vois pas de questions particulières. Mm-hmm. On en sait plus. C'est vrai que je trouve que c'est bien d'aller chez les gens, de les rencontrer, mm-hmm. De faire des vidéos, de se présenter. Comme ça, on voit au-delà du produit oui. Ou du site. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, c'est convivial. Ah oui, oui. C'est que j'aime bien faire ça, ouais. Et je pense que pour vous aussi, c'est quand même plaisant à regarder, à voir toute l'histoire. Puis voilà. Mais sinon, on peut se quitter là-dessus. Oui. Voilà. Ben encore merci beaucoup pour merci l'accueil. Merci à toi. Voilà. Et j'espère que ça vous plaira. Ciao. Ciao. Bene. Très bien. Belle.